C'est bon. Hop. Donc on était laissé là, avec Samuel qui est parti par là, je crois, ouais, là-bas. Ok, donc entrée côté port. Je me sens mieux côté port. On passe discrètement là, tac tac tac, et voilà. Oh. Tranquillement derrière.
toute façon ça s'est pas enlevé, alors du coup je peux pas passer là. Faudrait que je plonge là où c'est accroché. Il devrait y avoir quelqu'un de garde ici. Je m'échapperai par ici. Impossible de garder cet endroit. Ces rochers sont plus glissants que des anguilles. À moins d'être... Attendez, Harlan, à moi la garde. Tirez. Sois, Martin. Descends me voir qu'on règle ça en trompe. Arrête de jouer les durs, petit merdaillon consanguin. Viens me chercher si tu es si fort. Stupide sangbleu. Attends voir un peu. Ok, alors, prix. Facultatif, neutraliser Martin. C'est quand même vraiment pratique que les corps qui sont tués par un furtif soient tués, disparaissent. Tuez-le s'il le faut. On dirait qu'il a disparu. C'était quoi ?
Arrêtez si vous voulez. Oh putain, de toute façon. Ça suffit, il n'attraperait pas trop de munitions et tout. Le sang en trompe. Avec une vue pareille, n'y compte même pas. Arrête de jouer les durs, petit merde. Voyons des sangs. Stupide sangbleu. Attends voir un peu. Martin, tu raterais un tall boy dans un couloir. Si mes gosses sont partants, si j'avais su, je croyais qu'on avait gagné. N'empêche, le maître avait raison de vouloir choper la petite. L'amiral était plus rapide, c'est tout. C'est à cause du maître qu'on est dans la merde jusqu'au cou. T'as raison. Un bloc est en haut, Martin à la porte, et nous en plein milieu. Et on a un blessé. Silence tous les deux. Nous gardons Pendleton. Faisons-lui honneur jusque dans la mort. Au combat. Oui, Mila, je regrette.
Je savais que vous viendriez. Mais c'est trop tard. Je ne vous ai pas attendu. Et puis qu'aurais-je pu vous offrir? De l'argent? Je suis ruiné. Des femmes alors? Tout le monde sait que vous vous tapiez l'impératrice. Vous les aimez nobles. Allez voir ma cousine Celia. J'hésite. C'est beaucoup quand même.
Criez si vous le voyez. À cause de vous, il s'est enfui. Tac tac tac. Neutraliser, c'est le tuer. Peut-être c'était pas ça. Si.
sait que vous êtes là. Quand je vous aurai trouvé, ça va mal aller. Où êtes-vous ? Bon, il s'est enfui. Oh ! S'il s'est enfui, alors ça va, on craint rien. Certains de nos actes m'emplissent de remords. Pourra-t-on jamais nous pardonner, même si tout venait à s'arranger? Non, ce n'est jamais si simple. Quand la bureaucratie s'en mêle, tout va pour le pire. Si la vérité éclatait, ce serait notre tête sur le billot. Personne ne doit savoir. Du reste, pourrions-nous contrôler Emily si Corvo s'en mêle? Je ne peux pas m'empêcher d'en douter. Il est temps d'entamer la phase finale, et rien ne doit être... pas de demi-mesure. Seuls quelques-uns sont dans le secret, ceux qui ont le plus à perdre. J'imagine. Tant mieux. Je les aurais fait exécuter. Je suis l'impératrice. Ah! J'ai envie de le refaire en testant de laisser mourir ou je sais pas. Tester si on peut laisser mourir la Emily. Que nous dira l'histoire? Que la fille d'une impératrice assassinée accéda au trône sur une montagne de cadavres, portée par un tueur nommé Corvo. Non. Elle dira que la jeune Emily Caldwin prit le pouvoir à une époque chaotique, et qu'elle régna de son mieux
dans un monde sans merci pour les fillettes et les impératrices. Mais que ton nom soit inscrit dans les pages de l'histoire ou non, elle se souviendra que tu étais là, Corvo.
Salut. Je ne parle pas pendant les génériques. Là, c'est la musique qu'on a entendu un peu plus, alors du coup, je parle, mais... Voilà. Ouais, pourquoi pas du PUBG. J'aimerais bien faire une deuxième fois la fin, avec essayer de le neutraliser avant. Avec une fléchette paralysante ou un truc comme ça. Et bah c'était vachement incroyable. Putain. Je pense que là c'est...
Oh, on se retape la cinématique, d'accord. Hop, on va juste faire une sauvegarde. Une nouvelle sauvegarde. Hop, celle-là nous intéresse plus, celle-là la dernière qu'on a. Lâchez-moi, je suis l'impératrice. Il n'y a donc rien appris dans ta courte vie. Les impératrices ne sont que des pions. Des pions. Nous avons fait tout ça pour rien. La prison. D'accord. D'accord, là on la sauve. Tu n'as donc rien appris dans ta courte vie. Je ne sais pas toi, Corvo. Oh oui, c'est notre cinématique. Mais j'ai pris du bon temps de mon côté. Intrigue et mystère, boucherie et trahison, l'agonie d'un empire. Et toi, dans le rôle de l'esprit vengeur, semant le chaos sur son passage. La ville se dévore elle-même à présent. Menteurs, marchands et nobles, tels des asticots sur une carcasse. Il ne restera bientôt rien pour les rats. D'accord. C'est cool. C'est aussi bien. L'Empire était déjà mourant, pourri jusqu'à la moelle. Il ne manquait plus qu'un catalyseur pour le faire basculer. Mais voilà que tu prends la mer vers un nouvel horizon. La question est, cours-tu après quelque chose ou prends-tu la fuite ? D'accord. Voilà. Hop, charger, tac. On va essayer de sauver les deux en même temps. Je sais pas si c'est possible. Des pions, on peut sacrifier. Nous avons fait tout ça pour rien. La peste nous prendra tous. Il aurait pu être impératrice. Tuer bien des gens, mais il n'a pas sauvé beaucoup d'impératrices. De nous tous, c'est l'unité. C'est mon ami, et je suis l'impératrice. Ah, notre dignité. Votre heure est arrivée, toi et moi. Figurons dans les listes. Dis adieu, Emily Caldwin. Les fillettes n'ont pas leur place dans ce monde. Tu me neutralisais et il sauvait. J'ai toujours su que tu viendrais. Tu es mon héros. Mais les autres trois sont fins. Tous morts, j'imagine. Tant mieux. Je les aurais fait exécuter. Je suis l'impératrice.
bien. Que nous dira l'histoire? Que la fille d'une impératrice assassinée accéda au trône sur une montagne de cadavres portée par un tueur nommé Corvo? Non. Elle dira que la jeune Emily Caldwin prit le pouvoir. Dommage. Bon. On va aller voir Discord, parce que apparemment c'est ce qu'ils veulent. Salut. Salut. Quoi? Elle est juste excellente celle-là. Ah. La deuxième aussi est énorme. Ma bite. Non, les vidéos que j'ai envoyées. Je reviens, je veux shot et puis je lance PUBG en même temps comme ça. Ouais, t'as vu ça. Vas-y, je reviens. En attendant, je vais couper le live. Et je le relance dans 5 minutes quand il sera là. Hop. Si un jour je chope les DLC pas chers, je pense que je me les referai. Enfin, je me les ferai. S'il y a l'air d'avoir beaucoup de contenu, quand même. Enfin, bon, voilà. Merci d'avoir suivi le live, merci d'avoir suivi le display, si vous êtes toujours là. Et à bientôt.